fouiller toute la ville s'il le faut, les gars. Et retrouvez-moi ou Hernaldo. Oui, boss. Disposé. Allez. Jaguar. Emilia, je viens à l'instant d'envoyer tous mes hommes. Je leur ai demandé de fouiller la ville de fond en comble, pour retrouver au plus vite Hernaldo. Oh, je ne savais pas que tu te tenais au courant des nouvelles sur Ardiente. Je suis informé de tout ici. Tout ce qu'il faut savoir. Et plus particulièrement de ta vie, Emilia. Oh, Jaguar, c'est beau. Mais j'y semble y avoir un retard dans tes nouvelles, non? Parce que quelqu'un d'autre le fait pour moi maintenant. C'est le gouverneur Ruiz. Alors merci quand même pour ton aide. J'apprécie. Attends un peu. Qu'est-ce que tu admires autant chez ce gouverneur dans le fond? Pour commencer, il n'est que le chien de garde de l'Hélicrous. Ça, c'est ce que tu penses. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a un nouveau maître, ce gouverneur Ruiz. Et tu te tiens devant lui. Mais je crois en l'égalité entre animaux de compagnie, alors je vous laisserai vous battre ensemble, ok? Les chats contre les chiens. Au revoir, Minou Minou. Miaou. Oups. Désolé. Jaguar. Bye bye. Pourquoi tu n'arrêtes pas d'intervenir comme ça, Jipoy, hein? Pourquoi vous vous embrouillez? Et comment tu peux le croire de toute façon? Pourquoi vous Arrête de lui faire confiance. Il fait juste semblant de ne pas s'en souvenir, mais en réalité, il sait Jipoy. Tout. Jipoy! Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui se passe ici. Pourquoi vous vous battez? Réponds-lui. Dis-lui ce que tu as fait, vas-y. Réponds-lui. J'étais sur le point de me débarrasser d'Arnaldo une bonne fois pour toutes. Mais lui, il est venu s'interposer. C'était presque fini, Diego. C'était presque fini. Arnaldo, tu dis? Et comment tu as fait pour approcher Arnaldo exactement? Nous avons trouvé votre fils, Arnaldo. Est-il en sécurité? Oui. Il a été pris en charge par quelques résidents de Sitio Once. Bark, comment peut-il être en sécurité avec les pauvres? Il n'y a pas de climatisation à Sitio Once. Les moustiques ne vont pas lâcher là-bas. Mais rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. Eh bien, si vous le dites. Mais comment vous avez fait? Grâce au gouverneur Matteo? Non, Emilia. Avant même que vous ne parliez au gouverneur Ruiz, eh bien, nous savions déjà où se trouvait Arnaldo. Comment c'est possible alors que mon père n'y arrive même pas? Ni Matteo et Jaguar non plus? Parce que votre mère n'évolue pas dans la même sphère que ses garçons. Eux jouent dans la cour de récréation, alors que votre mère la possède, elle. Est-ce que ça veut dire que je possède aussi la cour? Bien sûr. Et vous êtes l'héritière du trône. Je l'aime tellement, ma maman, maintenant. Arrêtez de vous regarder comme ça, j'ai posé une question. Il était à Sitio Once. Je l'ai vu, j'y étais l'autre jour. Quoi, tu as vu Arnaldo l'autre jour et tu ne m'en as même pas parlé, Anna? Lily, je ne voulais pas ajouter ça à tous les problèmes. Ah, tu ne veux pas ajouter à tous mes problèmes, mais un secret comme ça pourrait te coûter la vie, est-ce que tu le sais? C'est pas moi qui ai failli mourir, c'est Arnaldo! Et je l'aurais tué si tu ne m'avais pas arrêté, Diego. Et ça ferait au moins un problème de régler. Quoi que tu dises, Jipoy, c'est toujours mon frère, Arnaldo. Et combien de fois je vais te répéter que nous ne sommes pas des criminels? Ouais, combien mais de fois, ton frère est un meurtrier, d'accord? Et tant que les Ardientes sont là, Diego, nos vies sont toujours en danger. Si on ne prend pas les devants, ils nous anéantiront, c'est tout. Réfléchis, ne sois pas naïf comme ça. Mets-toi dans la tête que nous ne sommes pas des meurtriers, Jipoy. Je te l'ai déjà dit, non? Mais ça t'a peut-être échappé, alors laisse-moi te le répéter. Nous ne sommes pas des meurtriers. Si tu tues ne serait-ce qu'un seul des Ardientes, on portera pour toujours leur sang étalé sur nos mains et nous aurons leur mort sur notre conscience, tu entends? Alors j'espère que cette fois, ça ne t'échappera pas. Tu es vraiment sûr qu'Arnaldo est là? Oui, papa.
Selon ma source fiable, il est vraiment là. Source fiable, ou baliverne. Hein? Je te le dis clairement, hein, Emilia. Si tu m'as fait marcher jusqu'ici pour ne rien trouver du tout, tu vas avoir quelques ennuis. C'est quoi cet endroit? Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Arnaldo? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as... On t'a frappé? Non, je suis tombé. Je n'ai pas fait attention et je suis tombé. C'était un accident. Tu dois venir à la maison. Tu n'es pas en sécurité ici. Je ne viendrai pas avec vous. Quoi? Je ne serai plus en sécurité avec vous. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai découvert les crimes que tu as commis. Et tout ce que tu as fait subir aux habitants de Poblacion Ardiente. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On peut le savoir, hein? Hein? Tu es mon petit-fils? Arrête, hein? Papa! Rolio! Peu importe ce que vous direz, je ne viendrai pas avec vous. Si j'ai été envoyé ici, c'est pour remplir une mission et je ne peux pas partir, c'est tout. Qu'on le veuille ou non, tu vas venir avec nous. C'est pas compliqué. Je vais demander à mes hommes de t'escorter, ce sera vite réglé. Papa, assez, ok? Laisse-le tranquille. S'il veut rester ici, alors qu'il reste. Tu ne vois pas que le ciel commence à se gâter? De mieux en mieux. Maintenant, tu as peur du tonnerre et de la foudre, hein? Attends, Arnaldo, ça va aller pour toi ici? C'est bon. Mais si, à un moment, tu décides que tu veux rentrer à la maison, passe-nous juste un appel, ok? Venir ici était une perte de temps. Arnaldo, est-ce que tu es sûr que tout ira bien ici? Oui, oui, ça va aller. Prends bien soin de toi, hein? Bien, merci. Tu l'as entendu? Oui. Jepoy, assieds-toi. Donne-moi ta main. Ah, hey. Ça fait mal! Est-ce que tu le fais exprès? Jepoy. De toute façon, je suis prête à parier que Julio sait déjà qu'Arnaldo est à Situance. J'ai reçu un texto des habitants disant qu'ils avaient vu Julio et les autres là-bas, mais qu'Arnaldo ne les avait pas accompagnés. Je suis certain qu'ils vont forcer Arnaldo à les accompagner tôt ou tard, c'est certain. Tout dépend d'Arnaldo, Diego. Mais bon, les ennemis des Ardiente pourraient toujours le poursuivre, c'est vrai. Je me suis dit que... Enfin, qu'on devrait peut-être l'aider un peu. Le protéger, même. Attends là. J'ai bien entendu ce que tu as dit? Tu voudrais qu'on protège Arnaldo? Jepoy, je sais que c'est difficile à accepter. Mais imagine qu'il est bel et bien changé. Mais il a tué Carlotta, non? Alors quoi, même Emilia et Julio peuvent être nos amis maintenant, c'est bien ça? Alors pourquoi ne pas les inviter? Invitez-les tous ici, allez! Allô? Mademoiselle Lily Cruz, le bruit court que vous êtes à ma recherche en ce moment même. Mercedes Palacio. Oui, mais malheureusement, vous ne pourrez pas me rencontrer de plus près que ça. Je n'aime pas vraiment faire la rencontre des traîtres. Est-ce la raison pour laquelle vous avez fait exploser tous mes bâtiments? Oui. Et si vous n'arrêtez pas de harceler les Ardiente comme vous le faites? Je peux vous assurer que vos proches vont courir un très grand danger. Mercedes. Je ne pense pas que vous sachiez vraiment qui est Lily Cruz. Je suis revenue de l'enfer, moi, donc. Ne croyez pas m'effrayer la moindre seconde, je n'ai pas peur de vous.
Je n'arrive pas à croire que nous ayons laissé Arnaldo là-bas. La foudre, papa. Elle serait tombée tôt ou tard. Tu sais quoi? C'est exactement pour ça que ton fils a fini comme ça. Tu es faible. Une petite secousse, tu cries. Un petit obstacle, et tu recules tout de suite. Je peux me tenir au centre de ce champ avec le tonnerre et la foudre qui tombe. Et aucun éclair ne me touchera. Même la foudre a peur de moi. Tu sais, papa, tout est de ta faute. Si seulement tu avais été un bon grand-père, Arnaldo n'aurait pas choisi de rester là-bas. Ah, ça, je le savais. Parmi toutes les différentes choses dont tu aurais pu hériter de ton arrogante de mère, il ne pouvait s'agir de rien d'autre que de son crâne épais et vide. Non, n'insulte pas ma mère. Et qu'est-ce que tu vas faire si j'insulte ta mère, dis-moi? Tu lui ressembles, tu penses comme elle. Ah, Seigneur. Et voilà un autre idiot. Démarrez! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est en fait très simple, Julio Ardiente. Si je suis là, c'est pour vous faire savoir que vous n'avez plus aucun pouvoir sur cette ville, d'accord? Bien qu'elle garde encore votre nom, cette ville n'est plus à vous, Julio. Donc s'il vous reste encore un peu de dignité, eh bien vous devriez au moins vous battre loyalement contre moi au lieu d'envoyer quelqu'un faire exploser mes entreprises, d'accord? Wow! Mademoiselle Aguas ou Lily Cruz, ou qui que vous soyez aujourd'hui, je suis peut-être totalement amusé à l'idée que vos entreprises puissent être sous les flammes, mais je n'ai rien à voir avec ça. Croyez-le bien, je ne suis pas derrière tout ce qui se passe. Je ne suis pas du tout une idiote. Je suis persuadée que l'un de vous deux est responsable des explosions qui ont eu lieu dans mes entreprises dernièrement. Alors juste pour vous le rappeler, pour m'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde, que vous n'avez pas oublié comment Lily Cruz se bat. Je vous le redis, Lily Cruz ne recule jamais. Papa, comment est-ce qu'on va passer maintenant? Elle a laissé les barricades. C'est facile. Laisse-la partir. Laisse-la emmener ses singes, surentraînés avec elle. Et à présent, parlons d'Aguas Realty. Avez-vous vu le titre à ce sujet? Oui, mais en ce qui concerne Aguas Realty, c'est la nouvelle d'hier. Avant la fermeture du marché, les actions Aguas Realty ont augmenté de 5 points. C'est vraiment génial! Mais comment cela a-t-il pu se produire dans les dernières 24 heures? Eh bien, c'est grâce à leur PDG, Mademoiselle Lily Cruz. Sa réaction immédiate et son leadership sans peur ont assuré l'investisseur que toutes les questions de sécurité avaient été réglées. Elle est vraiment incroyable. Tout à fait. Je ne m'attendais pas à ce que Lily Cruz se rétablisse aussi rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Nous travaillons sans relâche à sa perte. Je reviens vers vous dès que possible. Il me semble vraiment que Julio ni aucun des Ardiente, d'ailleurs, ne savent pas qui est Mercedes Palacio. Allô? Mademoiselle Cruz? Je vous appelle pour vous annoncer votre défaite. Vous ne me trouverez jamais. Et j'ai bien recouvert mes traces. Et vous n'apprendrez jamais à quel moment j'avais frappé. Alors, est-ce que vous abandonnez? Non, ça jamais! Oh mon Dieu, cette femme, j'y crois pas.
Elle a vraiment effacé tous les indices qui auraient pu me permettre de retrouver l'endroit où elle se cachait, maman. Mais je ne compte pas m'arrêter pour autant. Je sais que je la trouverai. Lily, elle a oublié une chose. Mila est encore et toujours en garde à vue chez la police. Emilia, le moment est venu. Votre vraie mère est enfin prête à vous voir. Serait-ce un beau cadeau d'anniversaire en avance? Seigneur, merci, qui que tu puisses être. Ah! Qui c'est qui a envoyé ça? Madame, nous avons fait livrer votre cadeau à Julio Ardiente. Excellent. Thank you.
Maman! Emilia, chérie.